Salut à tous, aujourd'hui on va faire un test de Guilty Gear Strive sur Xbox Series X. C'est parti, on va vous montrer ça les amis. Alors c'est un jeu de combat, vous allez voir. Alors là je vous montre, c'est la version bêta. Hop, il y a version arcade, version VS contre l'IA. Survie, il y a plusieurs modes, on peut jouer à deux. Le dojo, combat, il y a du réseau, histoire, on peut faire aussi le mode histoire, on dirait. Décrivez le mode histoire, prenez un plus sur le mode, ouais. Nous, ce qu'on va faire, surtout, c'est qu'on va faire le mode survie. Voilà. Comme ça, on va montrer les personnages. Ça ira beaucoup plus vite. C'est un jeu assez sympa, c'est une licence assez connue quand même, tout ce qui est jeu de combat. Tout, on va prendre le personnage principal, on peut changer toutes les couleurs, tout. Ça c'est, enfin moi je dis c'est le personnage principal parce que c'est vrai que c'est l'un des personnages les plus connus de la saga. Hop, on va le mettre comme il est. Alors, graphiquement, je peux vous montrer qu'il est pas mal. Je trouve qu'il est pas mal graphiquement. C'est vrai que niveau, vous allez voir, détails, tout, animation, est vraiment assez sympa. Décor tout avec les personnages, vous voyez un style un petit peu à la manga, un peu. Alors c'est une version bêta, alors après version finale peut-être qu'il sera un peu mieux encore, beaucoup mieux peut-être. Alors, c'est un jeu assez connu comme je vous disais, qui est sorti sur pas mal de consoles. Les animations sont vraiment cool. Si vous aimez les jeux de combat en 2D, ça va être fait pour vous. Alors, on va faire tout ce qui est combo, on va essayer. Oh putain. Ouais, l'autre avec son sort, c'est pas évident. Alors, je connais pas tous les combos encore les amis. Ouais, j'ai réussi à le battre. Alors comme c'est un mode survie en principe. Ah c'est pas mal ça. Petite animation là. Alors c'est en principe c'est mode survie, on va voir d'autres combattants. Alors je vais enchaîner les combats, comme ça je vous montrerai tous les combattants à peu près. Enfin on va essayer parce que déjà, il faudrait que je les batte tous. Ouais, les décors sont assez cool. Le personnage en face. Il me semble qu'ils étaient tous déjà les personnages qu'il y avait à l'époque. Il y en a pas mal en plus. J'ai pas vu combien il y en avait en tout, il doit en avoir une vingtaine en tout. Oh putain. D'accord, ce qu'il m'a fait l'autre. Oula. Il enchaîne bien là en face. Donc j'ai mis un dernier coup. Alors vous avez un normal, facile et un difficile aussi. Un niveau 3. Hop. Mankind knew that they cannot. Duel 1. Ah ouais, plus on se fait toucher en plus. Ah ouais, c'est vrai qu'en mode survie il faut faire avec la même jauge. Putain, j'avais complètement oublié. Putain. Ouh, l'attaque qu'il m'a mis là. Opération réussie. Oh putain. J'ai bien fait avoir là. Alors il y a votre performance, expérience et XP, tout. Il est assez cool le jeu. Si vous aimez ce style là, elle se fait pour vous. Alors moi j'y avais joué mais sur la version PSP, ça date d'un bail. On va refaire du mode survie, ouais. On va voir tous les personnages un peu vite fait parce que c'est vrai que j'avais pas montré les autres. Ouais, il y a une vingtaine, ouais, à peu près, un petit peu plus même. Qui c'est qu'on pourrait prendre? Alors lui, j'ai vu qu'il était assez cool le personnage, j'avais testé, montré un peu.
Moi j'aime bien, c'est tout ce qui est décor, tout ce qui est fait en animation, tout, c'est vraiment bien fait. Si vous aimez les jeux comme ça, la Street Fighter, la Fatal Fury, choses comme ça, combat, ça va être fait pour vous. Je trouve que le personnage est assez bien fait, mais par contre les décors je les trouve un petit peu trop fades. C'est un petit peu dommage, c'est un petit peu le point faible du jeu je trouve. Et après, ce que je peux dire d'autre aussi, c'est qu'il n'y a pas de vibration. Ça, ce qui est un petit peu dommage aussi. Donc Roman, il reste quand même un très bon jeu de combat. Je vais essayer d'enchaîner le super coup. Hop. Je sais qu'il peut sortir une mitrailleuse, j'arrive pas à la sortir comme par hasard. Ah putain! Il enchaîne trop vite l'autre, il est trop enchaîné vite. Putain. Oh putain, je me suis fait éclater. Ah ben, je suis bon les gars. Il y a un autre jeu qui est sympa aussi, c'est comme ça, c'est que j'avais testé il n'y a pas si longtemps que ça aussi, c'est Jojo Bizarre. Si vous connaissez les amis, Jojo Bizarre, c'était un jeu de combat aussi qui est vraiment sympa aussi, qui est gratuit aussi sur le Game Pass. Alors ça, c'est pas, enfin, ce jeu-là est totalement gratuit, mais après, je pense qu'il sera payant, hein, parce que là, c'est une version bêta. Je suis en train de tester. Version histoire, est-ce qu'on peut tester la version histoire? Non, il est fermé, bloqué, normal. Hop. Version arcade, version 1. Hop, on va choisir d'autres personnages. L'animation des personnages sont vraiment bien faits, je trouve. Vraiment dans l'esprit de style manga. Il y a beaucoup de personnages qui étaient dans les anciens. Il doit y avoir certains nouveaux que je connais pas du tout. On va prendre elle ou lui, je sais pas si c'est un garçon de vie. On va voir. Ça me fait penser un peu aussi à Samurai Shadow, pour ceux qui ont connu. C'est un peu le même style, un peu. C'est vrai que ça se rapproche beaucoup avec un Fatal Fury. On sort un dragon là, c'est quoi ça? C'est plus facile de jouer avec une manette arcade. Si vous avez une manette arcade, je vous conseille de jouer avec. Ah, j'ai réussi à le battre, Bon, maintenant, on va passer à un autre. Oh, avec le petit chien et tout. Ah, les détails sont vraiment bien faits. Ah, on va contre le même personnage. Essayez d'enchaîner, les amis. Alors je sais pas s'il y a des méga combos, mais ça j'en ai pas fait. Je pense qu'il doit avoir des jauges pour le méga combo, je ne sais pas du tout, là je pourrais pas vous dire. Il semble qu'il y avait des super combos. Alors là, le problème, c'est comme c'est une version bêta, je sais pas s'il y a tout. En principe, c'est un jeu qui devrait sortir sur toute... c'est sur Xbox, PlayStation aussi, je pense aussi. C'est assez marrant, le personnage. Il va y avoir un truc. Ça y est, il a réussi à passer.
On va voir un autre personnage. Par contre, l'animation, c'est toujours la même, juste à la fin. C'est un petit peu dommage, ça. J'aurais pu mettre d'autres animations. Man. Duel 1. Let's rock. C'est bizarre, lui, on y sort plus de zombies. Avec son flingue, là, avec son gun. Oh putain. Pas évident lui. Oulala. Tiens, il m'a méfié, c'est que son flingue. Ah ça y est. J'ai réussi les gars. C'était pas évident. Niveau 5. Alors c'est contre qui ça? Mankind nude. Duel 1. Let's rock. Et c'est lui. Cool, le coup qui m'a envoyé là. Oh putain. Oula, un coup, je suis mort. Ah putain. Ah, je voulais aller plus loin les gars, j'ai pas réussi. D'accord. Il a des robots lui. Il a un petit côté là, à Wolverine lui. suivant. Game over. J'ai perdu. Voilà. Voilà, c'était pour le montrer, pour dire qu'il est assez cool, hein. Vraiment un peu pas mal. Je vais regarder vite fait les autres pour. Un contre l'IA, le versus. Est-ce que ça change? On va aller voir vite fait. Allez les amis, hop. Détail, on peut choisir. Alors on peut choisir ouais le temps. Le niveau, je sais pas ce que c'est. Niveau de marche, je sais pas ce que c'est. Hop, facilité, ouais. Est-ce qu'il faut que débloquer d'autres personnages? Ouais, je vais vous montrer un peu tous les personnages vite fait. Alors celui-là que j'ai bien aimé, moi, personnage, c'est celui-là. Avec son sabre, vraiment cool. Vous voyez que là, on peut changer tout ce qui est couleur. Ça, c'est pas mal. Détail et tout. On va le mettre comme ça, on va le prendre comme ça. On va prendre un autre personnage qu'on n'a pas pris. Hop, on va faire un petit combat vite fait. Pour vous montrer. J'ai pas trop mis en difficile parce qu'en difficile c'est même pas la peine. Me fait éclater, comme on dit. Il est pas mal, hein. Avec son sabre là. Je l'ai éclaté là, à mon avis. Ah, parfait, j'ai fait. Ah, j'avais bien. J'aimais bien ce personnage. À mon avis, les deux mains, ça va pas être pareil. C'est un peu trop facile peut-être. J'aurais dû le mettre un peu plus normal peut-être. On va voir après. Ah ouais, c'est vrai que c'est en 4 manches. Ah oui, c'est vrai que certains manches là, ils se font en 4 manches. Pourquoi? Putain, alors là il m'a envoyé tous les poissons ou l'autre. Ça y est, c'est arrivé le truc. Oh putain. Ah oui, dans le... Voilà, c'est pas la même chose là. Putain. Ah putain. C'est un chien avec le sabre. Sur le visage. Et voilà.
On va essayer de la voir. Hop, avec le katana. Pas mal, hein, sans savoir avec le casque et tout. Ah, c'est cool. Le dieu de la guerre. On a réussi. Hop. Un duel. Ah, il y a notre manche. Alors, ce que je vais faire, les gars, je vais sortir parce que. Hop. Voilà. Hop. On va revenir au menu principal. Voilà. Voilà, c'était pour vous le montrer. Hein, pour dire qu'il est cool. Si vous aimez ce style là, si vous avez déjà joué aux anciens, vous serez pas perdu. C'est justement la même jouabilité, c'est pareil. Si vous aimez les jeux de combat, comme je vous dis, en 2D, style Street Fighter, ça va être fait pour vous. Par contre, le seul bémol, comme je vous dis, c'est qu'il n'y a pas les vibrations. Ça, c'est un peu dommage, comme beaucoup de jeux en ce moment. Sur ce coup, je vous dis à plus. Pensez à vous abonner à ma chaîne MultiFrance77. À plus pour d'autres jeux. Ciao.